Et bonjour à tous les amis, c'est Brazil Votre Gamer Favori, donc on se retrouve pour la boutique du jour de Fortnite du 20. Du 26 octobre 2024, pardon, excusez-moi, là j'avais un doute sur la date maintenant. Avec le pack Laserface, donc avec un pack de 5 objets, donc avec Laserface, donc une funeste incarnation de la folie, fait partie ensemble Laserface cette saison et ce chapitre, avec son trophée peau de banane, qui est son accessoire de dos, une magnifique démonstration de vos talents manuels. La banane écorchée, donc c'est son revêtement d'armes, fait partie, hein, il est animé. La tronçonneuse, c'est sa pioche, donc c'est pour la viande. Et pour finir, danse de la tronçonneuse, donc c'est sa petite emote. Le tout donc, comme vous voyez actuellement à l'écran. Voilà. Le tout pour 2500 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Laserface avec sa version Lego, avec son accessoire de dos, pardon, pour 1500 V-Bucks. Réactif, donc l'accessoire de dos est réactif, j'ai pas vu. Ah oui, il est réactif, il réagit aux éliminations pour 1500 V-Bucks. La tronçonneuse, c'est sa pioche pour 1200 V-Bucks. La banane écorchée, c'est son revêtement d'armes animé pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez Symbiote, donc avec She Venom, donc. Les objets avec le symbole peuvent être uniquement utilisés dans les expériences, dans l'application et PEGI 12. Bon, bref. Hein. Fortnite, ça fait 7 ans qu'il existe. Donc, que je vois que cette année ou depuis l'année dernière, ils ont mis en place les PEGI, franchement. Hein. Il y a 7 ans en arrière, les gosses, ils étaient petits. Donc, il y avait un qui les choquait. Donc, là, du coup, on a peur de les choquer. Donc, on met des PEGI partout. Mais c'est un peu. C'est Fortnite arrêté. Enfin, Epic Game, arrêtez vos bêtises. Donc, laissez le jeu comme il était, franchement. Vous y gagnerez plus, bien plus. Peut-être pas bah, financièrement aussi, hein, parce que vous aurez plus de joueurs qui reviendront. Les gros streamers qui restreameront sur le jeu, donc n'hésitez pas à revenir en arrière, les amis. Hein. Enfin, Epic Games, si vous m'entendez. Donc, n'hésitez pas surtout à nous laisser le vrai Fortnite avec les trucs cartoon, fun, les trucs rigolos. On ne vous demande pas de revenir dans les chapitres J, donc les chapitres originels, mais juste de garder la même ligne de conduite et de virer tous ces modes de jeu inutiles et qui encrasse le Battle Royale et de reprendre le Battle Royale comme il était. Franchement, là, vous aurez tout gagné, tout compris. Donc, n'hésitez pas à le faire et enlevez-moi tous ces PEGI parce que ça, c'est franchement ridicule maintenant. Bon, bref. Donc, avec She-Venom, donc, c'est série Marvel avec Agony. Donc, c'est une deuxième, donc, aussi électrique que dangereuse. Donc, c'est un deuxième symbiote. Donc, avec la trancheuse symbiotique, c'est un premier accessoire de dos. La trancheuse symbiotique, c'est la deuxième pioche. L'ama biote, donc c'est accessoire de dos. Et pour finir, vous avez la symbiotique électrique et l'autre pioche, le tout pour 3000 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Agony avec son accessoire de dos et sa pioche pour 1800 V-Bucks. She Venom avec son accessoire de dos et sa pioche également pour 1800 V-Bucks. Le pack Venom qui revient enfin, moi c'était celui que j'attendais, donc pour 2800 V-Bucks. Donc toujours avec Eddie Brock. Donc le pack contient une émoticône. Seul Venom peut utiliser la tranche symbiotique et seul Eddie Brock peut utiliser la fausse symbiotique. Eddie Brock se transforme grâce à l'emote. Donc avec sa emote intégrée, Venom libéré. Les vrilles de Venom, c'est accessoire de dos. La fausse symbiotique, c'est sa pioche. Venom, donc sa tenue avec la version et ses deux, enfin, ses deux custom, donc avec Venom, le symbiote. Ensuite, vous avez donc nous sommes Venom, notre emote intégrée. Le symbiosac, donc c'est le deuxième accessoire de dos. La trancheuse symbiotique, donc c'est la pioche. Et c'est délicieux, la petite emote, toujours en série Marvel, le tout pour 2800 V-Bucks. En pack, vous avez donc Venom avec son emote intégrée, son accessoire de dos et sa pioche pour 2000 V-Bucks. Eddie Brock, donc avec son emote intégrée, donc Venom libéré, avec son accessoire de dos et sa pioche, le tout pour 2000 V-Bucks également. Ensuite, vous avez le retour du pack concept de la peur avec œil sinistre et tourment éploré. Donc, avec leur version Lego, leur accessoire de dos et l'écran de chargement, le tout pour 1600 V-Bucks. Œil sinistre claque des doigts à chaque élimination. Donc, voilà, qui est réactif en plus. Ensuite, vous avez œil sinistre, donc avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. Le tourment éploré, donc avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. Le pack d'équipement, donc qui comprend leurs deux pioches, la globe omniscient, la cheveuse et le sinistrophobie qui est leur petit revêtement d'armes, le tout pour 1200 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc le globe omniscient, donc c'est la pioche qui est réactive, qui réagit au point faible pour 800 V-Bucks. La cheveuse, c'est la deuxième pioche pour 800 V-Bucks. Sinistrophobie, donc c'est le revêtement d'armes pour 300 V-Bucks. Ensuite, vous avez Sigu qui fait son retour avec son emote intégré sorcellerie. Voilà, qu'elle se transforme en sorcière avec sa version Lego et son sac à concoction. Donc, le tout pour 1500 V-Bucks. Alors, pas que vous avez. Ensuite, vous avez Elmira qui fait son retour également. Donc, avec ses 4 customs différents. Donc, feu, eau glacée et sombre. Donc,
avec sa version Lego et son accessoire de dos, Sacré Grimoire qui a ses 4 customs également pour 1500 V-Bucks. Les ailes magiques, c'est son planeur pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack des bonbons et des farces avec Épouvantateur, donc avec sa version Lego, son accessoire de dos. Avec Farceuse, avec sa version Lego et son accessoire de dos. Et leur pioche, le tout pour 2000 V-Bucks. Alors, pack, vous avez Épouvantateur, donc Épouvantateur, donc avec ses 3 customs différents. Donc, et sa version Lego et son accessoire de dos, donc choisissez un masque, un motif et 3 couleurs pour personnaliser votre tenue, donc pour 1200 V-Bucks. La farceuse, c'est pareil, elle a ses 3 customs avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. La pioche cinétique, c'est la pioche pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Miaus Transité, donc toujours avec Miaus Cospétral, sa version Lego, son accessoire de dos, sa pioche et son vêtement d'arme, le tout pour 1700 V-Bucks. Alors, pas que vous avez Miaus Smith Spectral avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. Ishii Yofandeuse, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. L'ombre féline, c'est son petit vêtement d'arme animé pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack méchant de Disney, donc toujours avec Captain Crochet, donc Cruella d'Enfer et Maléfique avec leur version Lego, leur accessoire de dos, leur pioche et la petite Imote, le tout pour 3800 V-Bucks. Alors, pas que c'est Captain Crochet avec sa version Lego, son accessoire de dos, sa pioche et son Imote pour 2000 V-Bucks. Maléfique, donc avec sa version Lego, son accessoire de dos, sa pioche et son accessoire de dos, irréatif et réagit aux émulations pour 1800 V-Bucks. Cruella d'Enfer, donc avec sa version Lego, son accessoire de dos et sa pioche pour 1800 V-Bucks. Ensuite, vous avez Spider-Man ou Spider-Woman, donc avec sa version Lego, donc toujours en série Marvel, avec sa accessoire de dos toile venimeuse. La même paralysante, c'est sa pioche. Spider-Woman classique, son vêtement d'arme animé. Et pour finir, donc elle a son petit clavier venimeux, le tout pour 3800 V-Bucks. Alors, pack, donc vous avez Spider-Woman avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks. La lame paralysante, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Le clavier venimeux, son petit clavier pour 1000 V-Bucks. Et le Spider-Woman, son petit vêtement d'arme pour 500 V-Bucks, donc il est animé. Ensuite, vous avez toujours Lewis Hamilton, donc toujours en série série icône, avec les deux Williams Hamilton, donc Williams Hamilton Orbital, avec ses différentes customs, Williams Hamilton, donc normal, donc avec leur version Lego, leur accessoire de dos, leur pioche et l'accessoire de dos. Le tout pour 2400 V-Bucks. Encore pas que vous avez Lewis Hamilton toujours en série icône avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks. Lewis Hamilton, donc avec ses 4 customs différentes avec sa version Lego, son accessoire de dos et sa pioche pour 1800 V-Bucks. Le pack d'équipement de Lewis Hamilton toujours en série icône avec le tour de trottinette en trottinette qui est les petites emotes, la planche à sillage qui est le planeur et le jour de course qui est le petit vêtement d'arme animé, le tout pour 1000 V-Bucks. Encore pas que vous avez les tours en trottinette donc pour 300 V-Bucks, toujours en série icône. La planche à gillage, c'est le petit panneur pour 800 V-Bucks, toujours en série icône. Ensuite, vous avez le jour de course, qui est le vêtement d'arme animé pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack de casier d'Aldo Geo, donc avec Talus, le chevalier de chevalier cinétique, donc avec sa version Lego, son accessoire de dos, sa petite emote, sa pioche et son planeur, le tout pour 2600 V-Bucks. En pack, vous avez Talus, le chevalier donc cinétique, avec sa version Lego, son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. Le chimeur de feu, donc c'est son petit planeur pour 1500 V-Bucks. La solo de grade, c'est sa petite emote pour 500 V-Bucks, donc. Et Dinosaure Obscure, donc c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez le Fortnite Flow, donc avec les petites musiques série icône, donc I like to move it, donc aimer bouger, saison 1, chapitre 3, donc pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez Shoya, donc montrer votre plus beau groove, donc saison 1, chapitre 5, donc pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours en série icône, faites des vagues, donc. Laissez vos coudes suivre le rythme, saison 1, chapitre 5, pour 500 V-Bucks. Et en fait, sur place, une petite emote synchronisée, le plaisir simple des petits sauts, saison 3, chapitre 3, donc pour 400 V-Bucks, toujours en série icône. Ensuite, vous avez l'estime emblématique avec le retour du pack Mutique, avec sa version Lego, son accessoire de dos, sa pioche et son vêtement d'arme, le tout pour 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez Mutique, donc avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. Mutisme, c'est sa pioche pour 500 V-Bucks avec leurs différentes custom. Et Noir Usé, son petit vêtement d'arme. Tout simple, donc pour 300 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de l'As du Volant, donc pour 800 V-Bucks, avec sa version Lego. Ensuite, vous avez le Pro de la Jungle, donc il fait son retour également. Elle fait partie d'ensemble encore plus forte que les buissons, saison 2, premier chapitre, donc avec sa version Lego pour 800 V-Bucks. Et lui, il date donc de la saison 7, course royale, pour chapitre 1, donc avec sa version Lego. Ensuite, vous avez le dernier tour, c'est leur pioche pour 500 V-Bucks. Rétro, c'est leur petite emote pour 300 V-Bucks, saison 2, chapitre 1, donc pour 500 V-Bucks, pardon, pas pour 300 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack Carole G, donc en série icône, donc toujours avec Carole G, sa version Lego,
son accessoire de dos, son vêtement d'armes, sa piste musicale et son micro, le tout pour 2200 évêques. Ensuite, vous avez Pac Bonito Jams, donc toujours avec les deux pistes musicales et les deux petites emotes en série icône pour 1400 évêques. Ensuite, vous avez Carolina, donc qui est réactive, qui réagit aux musiques avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks, toujours en série icône. Bonito, son vêtement d'armes pour 500 V-Bucks, il est animé. Micro de la tournée SSV, son petit micro, donc toujours en série icône pour 800 V-Bucks. Provenzia, c'est sa petite piste musicale, son petit remix avec Fattering Tiesto, donc toujours en série icône pour 500 V-Bucks, voilà. Ensuite, vous avez la Okidoki, c'est sa petite emote, donc toujours pareil, donc en série icône, donc pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez la deuxième, la Keiro, donc l'autre emote de Carol G, donc toujours en série icône pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez donc la piste musicale OVNI Envel Dreams, donc c'est toujours la Keiro pour 500 V-Bucks, toujours en série icône. Et pour finir, la piste musicale Okidoki, donc toujours en série icône pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez Equipez-vous pour le Farnet Festival, donc toujours avec la Néo Urbain, la basse pour 1000 V-Bucks. L'hexagonal, donc c'est la guitare pour 800 V-Bucks. Le Keter tournoyant, donc c'est le petit clavier, donc la petite emote pour 200 V-Bucks, donc voilà. Et ensuite, vous avez sur la pointe, donc notre petite emote, donc avec le micro, donc voilà, tout simplement, pour 200 V-Bucks, donc voilà, avec un peu, avec, comment dirais-je, un peu de classique. Ensuite, vous avez toutes les pistes musicales avec du Nia Ass, donc du Miller Empire of the Sun, du Shane Smith, du Tiesto d'ailleurs, du Guns N' Roses, donc vous avez pas mal de pistes musicales, du Lady Gaga, du Ariana Grande, du The Weeknd. Vous avez 246 pistes musicales dans la boutique de Fortnite pour 500 V-Bucks, la piste musicale que vous pouvez acheter pour les avoir dans votre casier, sinon vous les retrouvez tout dans le Fortnite Festival. Ensuite, vous êtes sur le pack Marvel McLaren Senna, donc avec les super-héros, donc les stickers et les pneus changent de couleur suivant le héros que vous mettez. Vous avez Iron Man, vous avez Doom, enfin vous avez Fatalis, donc tout ça, donc le tout pour 2800 V-Bucks. Ensuite, vous êtes sur le pack Imperator DT5, donc tu vois que le châssis DT5 avec ses différents stickers pour 1500 V-Bucks. Le tubo citrouille, donc pour 250 V-Bucks, donc les roues Nipar, donc pour 400 V-Bucks. Et le turbo éthéré, donc pour 250 V-Bucks, voilà, donc un petit turbo. Ensuite, il y a toujours le pass festival de la saison 5 avec toujours Carol G. Donc, si vous voulez avoir des nouvelles customs, des nouvelles pistes musicales, des nouveaux instruments, sinon vous débloquez une partie gratuite. Si vous voulez pas avoir le reste, vous n'avez pas besoin d'acheter le pass. Mais si vous voulez avoir tout, malheureusement, il faut acheter le pass festival pour 1800 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pass Lego. Lui, quand vous l'achetez, vous avez directement le personnage, sa version Lego et quelques constructions supplémentaires. Et je crois que vous gagnez une partie gratuite. Donc, recevez immédiatement la tenue Andy. Progressez dans le pass pour obtenir davantage. Oui, voilà, vous obtenez des nouvelles décorations, des nouvelles constructions, pardon, pour le Lego Fortnite, ça c'est vraiment pour le pass Lego. Donc avec des nouvelles packs de décorations et tout pour 1400 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack et offre spéciale, toujours avec le pack de démarrage d'opération fluo pour 375 pour le Lego Fortnite également. Le pack Ghoul Punk, donc avec la ghoul, sa version Lego, son accessoire de dos et sa pioche, avec un accès permanent à la campagne Sauver le Monde. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant la quête quotidienne dans le monde, terminer la défense du bouclier antinal de base de 3 pour déverrouiller les quêtes, notamment ce pack de défis. Ensuite, vous avez le pack Jugement Dernier, donc avec les 3 personnages et avec leur version Lego et leur accessoire de dos pour 17,24€. Le pack Brigade du Crâne avec les 4 personnages, leur version Lego, leur accessoire de dos et leur pioche pour 22,99€. Et pour finir, vous avez toujours le pack de gains de niveau de Zen, donc que vous pouvez faire pour finir donc le pack avant la fin de la saison, donc le 2 novembre. Donc c'est bientôt, les amis. Donc il reste à peu près une grosse semaine, grosso modo. Pour finir, même pas, oui, quasiment une grosse semaine pour finir le pass. Donc si vous êtes déjà presque à la fin, c'est bien, comme ça vous avez déjà débloqué son accessoire de dos, sa armure, sa pioche. Donc en faisant les quêtes qui sont proposées tous les jours, vous avez cette nouvelle quête qui vient disponible chaque semaine, chaque semaine, donc voilà. Et si vous avez fait bien avancer, donc le pack est à 1200 V-Bucks. Sinon vous avez toujours la possibilité de souscrire Club Fortnite pour 12€ par mois. Depuis le mois de décembre 2022, vous avez l'ensemble de fidélité au club, des objets cosmiques exclusifs au club, donc une nouvelle étape est livrée chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous obtenez le Rocket Pass Premium, donc grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur appareils compatibles. Plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Si vous avez le pass de combat, ils vous remboursent 150 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois d'être sur l'assurance du club. Et ce mois-ci en cadeau, c'est toujours Paulus avec sa version Lego, avec sa rune d'attentation, c'est un accessoire de dos, la lame ignée, c'est sa pioche, donc le tout pour 12€ par mois, les amis, si vous souscrivez aujourd'hui au Club Fortnite. Voilà, les amis, n'hésitez pas à me soutenir à fond dans les commentaires, je compte sur vous. Là, vous réveillez-vous, là, on est 3138
39 sur la chaîne, pardon, il manque pas pour les 3140, et je ne vous vois jamais, donc je sais pas où vous êtes, donc les amis, je vous cherche, mais où vous êtes? Vous n'êtes pas en commentaire, vous n'êtes pas sur les vidéos, vous n'êtes pas en live, donc sur les lives non plus, donc n'hésitez pas à venir, hein, les amis, vous, autant que vous sur TikTok, bon, TikTok, vous êtes plus nombreux, mais vous n'osez pas parler, donc n'hésitez pas à venir me parler, je ne mords, je ne mange personne, je vous rappelle, donc voilà, venez vous amuser, venez rigoler avec nous, venez délirer cet après-midi à partir de 17h à peu près, donc on sera encore en live sur Fortnite, bien évidemment, le seul live du samedi, donc après, la semaine prochaine, je reprendrai un peu d'autres lives avec d'autres jeux, donc vous n'inquiétez pas, les amis. Il y en aura pour tout le monde, donc mais même en commentaire, dites-moi quel jeu vous voulez voir, donc parce que je fais un peu de tout, donc vous avez, là, vous avez de nouveau la possibilité de jouer avec moi à Fall Guys et à Rocket League, et après, bon, si vous voulez que j'achète GTA, mais bon, GTA, je suis un peu moins fan, et après, sans compter les nouveaux jeux que je vous fais découvrir en Let's Play, donc les amis, n'hésitez pas à venir, à mettre des commentaires, des pouces bleus, des partages, donc je veux vraiment qu'on décolle maintenant, ça suffit de rester au sol, donc on va décoller un peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, moi je compte sur vous, c'est vous les meilleurs, c'est vous qui faites la chaîne, donc je vous remercie déjà énormément pour tous les abonnements, je vous remercie vraiment énormément pour votre soutien, mais n'hésitez pas à vous manifester plus sur les lives, même sur les vidéos, donc je vais être un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires sur la vidéo de la boutique, et dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne, je ferai peut-être un petit sondage, je vous mettrai un petit sondage dans l'onglet communauté tout à l'heure, donc comme ça, vous voterez pour vos jeux préférés, donc dans la semaine, on les fera sans problème, et on jouera tous ensemble pour s'amuser, pour se détendre, et pour vous divertir les amis, donc j'espère pouvoir vous divertir de nouveau, comme avant, donc voilà, il y a deux ans en arrière, vous me suiviez, là vous me suivez plus du tout depuis un moment, depuis l'année dernière, ça a été tout juste, et cette année, c'était vraiment un peu le désert, donc moi je m'inquiète vraiment, donc n'hésitez pas à vous remanifester, à venir jouer, rigoler avec moi et vous éclater, voilà, et des fois il y a des petits cadeaux qui tombent comme ça, donc quand je peux évidemment, vous le savez les amis, je ne suis pas Michou, voilà, donc c'était pour me faire un trait d'humour, mais bon voilà, je n'ai pas ces moyens, donc quand j'aurai un peu plus de moyens, ça sera un peu plus souvent, voilà, simplement, mais bon, c'est pas que pour ça, hein. Ça sera un peu plus souvent, c'est pour vous récompenser de votre fidélité, bien évidemment, hein. Ce n'est pas que ça, c'est tout le reste aussi, les amis. Donc, n'hésitez pas à soutenir. Cette chaîne vous plaît vraiment. Donc, à venir sur les displays, sur les lives et sur les vidéos. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le commentaire et le partage. C'est très important. Et ensuite, toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, ce qui n'est pas normal parce que c'est gratuit, parce que vous êtes très nombreux encore à être pas regarder ma chaîne, vous n'êtes pas abonné. Donc, abonnez-vous. C'est gratuit. Je vous ai déjà dit. Vous cliquez en bas à droite sur la vidéo. Vous cliquez sur abonner. Vous pouvez activer la cloche de notification pour être fini les prochaines sorties de vidéo. Et pour le soutien, vous le connaissez par cœur. C'est le code Brasier qui marche également sur Rocket League. Hein, je vous rappelle, si vous achetez quelque chose sur Rocket League, c'est pareil. Donc, vous mettez le code Brasier en majuscule ou en minuscule. On s'en fout. Ça marche quand même. Vous êtes fouillé. Moi, ça m'aide énormément. Et ça soutient vraiment la chaîne. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, voilà. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Et nous, on se retrouve à tout à l'heure vers 17h. Ciao, ciao, les amis. Bye.